Le Racing Club de Strasbourg et l'ISR Clemart, on va souhaiter la bienvenue aux joueurs, dirigeants et supporters d'ISR Clemart qui ont fait le déplacement jusqu'à notre belle capitale européenne. Et puis on va faire un clin d'œil à nos partenaires, tout d'abord les partenaires institutionnels que sont la ville, de la communauté européenne de Strasbourg ainsi que la région Alsace. L'électricité de Strasbourg, les partenaires principaux du Racing depuis 8 ans maintenant, les premiers supporters du Racing. Cité Strasbourg, Énergie Strasbourg, partenaire historique et fidèle du Racing Club de Strasbourg. Notre cinquième saison nationale. Je trouve ça fabuleux pour nous. Je trouve ça fabuleux, mais parce qu'on n'a jamais lâché. Et pourtant, on a eu des moments très, très difficiles en début de saison. Lorsqu'on a vu des journalistes chez nous, c'était dans une période de crise. C'était la seule fois d'ailleurs qu'on les a vus. C'était difficile de s'en sortir. On s'en est sortis parce qu'on est unis. On s'en est sortis parce que. Parce qu'il faut faire confiance à un projet, il faut faire confiance à un projet de jeu. Ici, ça va être difficile, mais encore une fois, je ne peux pas parler de l'adversaire, mais ça va être difficile pour eux dans le contexte actuel. On va me poser la question avant de savoir si, pourquoi ils ont couru moins vite, pourquoi on avait l'impression que Colmar allait beaucoup plus vite. Là, quand t'as un maintien comme ça, c'est difficile. Quoi. Allez, accrochez-vous, les gars. Accrochez-vous, il y a un repêchage toujours possible, il y a peut-être, je ne sais pas, quand il y a un accrochez-vous. Ce soir, 20 403 spectateurs
merci à vous d'avoir été présents et d'avoir soutenu notre Racing Club de Strasbourg-Alsace, Laurent et Serge Clamart. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée, un très bon week-end. Rendez-vous dans 15 jours pour la venue de Bourg-Burgas.